Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une nouvelle chambre d'hôtel, à croire que je passe ma vie dans les chambres d'hôtel. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en vacances, ou j'étais en vacances, parce que je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'upload cette vidéo ici. Je pense que oui, mais on ne sait jamais, je vais peut-être plus profiter des vacances, etc. Donc, la chambre est déjà consommée. Voilà, c'est un truc à savoir, parce que j'ai pas eu le temps de faire ça le premier jour. Et bon, on va faire une petite visite. Pour ceux qui se demandent, c'est à Barcelone. À côté de Barcelone, c'est à Lloret del Mar, si je dis pas de bêtises. Et c'est un hôtel 5 étoiles. Je me dis, tiens, on va se faire plaisir pour une fois. Et bah, on va voir comment aller, d'accord? Donc, ici, c'est l'entrée principale, dont ça, c'est la climatisation, qui fait vraiment beaucoup de bruit. Elle est bien, mais vraiment beaucoup. Ah, voilà, en plus, là, on me voit, hop. Par contre, je sais pas comment sera la capture, vu que je capture avec une GoPro, vu que mon collègue n'est pas là, voilà. La petite poubelle, McDo, des pizzas et des petits cœurs, Choco Croque in Pocket. Toutes les serviettes, parce que forcément, serviettes de plage et serviettes de douche. Voilà, ça c'est un petit lit. Donc s'il y a un abonné qui veut venir, voilà votre lit. Vous pouvez venir quand vous voulez, c'est gratuit. Là c'est mon petit sac à dos que je transporte partout avec moi. On va aller vite fait à l'extérieur, parce que quand même la vue de l'extérieur est plutôt sympa. Alors là c'est notre petit. Comment dire ça? C'est notre petit coin où on peut aller boire un verre ou se reposer, parce que oui, forcément, aller à la plage tout le temps ou aller à la piscine, c'est un peu galère. D'ailleurs, je vous demande en commentaire, est-ce que vous voulez une vidéo où je vous ferai un petit tour de la ville, de la piscine, du jacuzzi, tout ça, tout ça, tout ça. Vous me direz en commentaire si vous voulez. Si vous voulez, vous me direz oui. Si vous voulez pas, vous me dites non, il n'y a pas de problème. Bien entendu, les vidéos gaming reviendraient à la fin du mois. Je vous laisse la vue pendant que je parle. À la fin du mois, parce que je suis en vacances, j'ai envie de profiter un peu pour une fois. J'ai fait des vidéos pendant X et X mois, donc un petit peu de vacances, ça fait du bien. Donc vraiment très sympa. En bas, vous pouvez voir qu'il y a des personnes qui sont en train de faire des trucs bizarres. Voilà. On a la plage, là-bas, on a le sable, et au bout, là-bas, on voit la piscine, tout ça. Et je vous montrerai de toute façon, il n'y a pas de problème, un petit tour. Normalement, ici, là, où il y a mon doigt, c'est un passage pour aller dans la chambre, mais comme j'ai fermé, c'est pas vraiment possible. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'éclairage. Attends, hop là. Voilà, peut-être que là, vous verrez mieux. Alors bon, là, il y a deux chaises. Puisque à la base, ici, on avait mis la Play 4 parce que j'avais pris la Play 4 avec nous. Et je me suis dit, tiens, pour jouer à la Play, au lieu d'être sur le canapé tout au bout, on va rester ici. Et c'est beaucoup plus simple pour jouer à la Play, faire du FIFA, etc., pour s'amuser. Là, un petit peu les amuse-gueules, les bonbons, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que ça coûte très cher au niveau des gâteaux, du coca ou tout ce qui va avec. Oui, ça coûte assez cher en Espagne. Et on mange pas forcément bien. Donc voilà, c'est de là que je vous disais, hop, on peut passer par ici. Deux lits, plutôt très très confortables avec plein de coussins. Bon, c'est le bordel, mais la femme de ménage, on va tout nettoyer, pourquoi pas. En même temps, elle est là pour ça. Voilà, c'est un petit truc pour lire des livres. Vous savez tous que moi j'adore lire des livres espagnols, donc c'est plutôt cool. Hop, on va passer ici. Ici, nous avons le code Wi-Fi. Donc, si une personne veut le code Wi-Fi de l'hôtel, hop, 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 il y aura peut-être une coupure parce que je voulais vous montrer le code Wi-Fi, sauf qu'il y a le nom et le prénom de la personne qui est avec moi. Et vu que la personne ne veut peut-être pas se montrer ou savoir son nom, on va éviter. Là, on a un truc. Oh, il y a un petit écho, voilà. Là, en gros, c'est la salle des coffres. Faut faire attention parce que à chaque fois, si vous allez dans un pays étranger ou même en France, oh, salut, c'est moi. Eh bien, vous avez besoin d'avoir un coffre, parce que si vous mettez de l'argent, votre passeport, votre pièce d'identité ou autre, vous avez forcément besoin d'un coffre, parce que c'est assez important. La salle de bain. Alors moi j'appelle ça la salle de bain Louis XIV. Pourquoi? Parce que regardez le lavabo, ou regardez celui-ci. Et franchement, on dirait pas un téléphone à l'ancienne. Et j'ai envie de vous faire cette blague qu'on m'a sortie et que je répétais sur Twitter. Allô. Voilà. Allô, comme de l'eau. Et allô, comme allô, tu vas bien. Voilà, c'est con. Donc, alors, il y a un truc que je voudrais vous poser comme question, c'est ici. Nous avons des chiottes. Très bien. Et ça, là, à côté, ça sert à quoi? C'est genre, il y a une personne il a une envie pressante, il va à côté? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Bon, là, c'est un cimetière de serviettes, parce que, voilà, on prend beaucoup de serviettes. Là, après, il y a plein de conneries, ouais. Bon. La femme de ménage ne doit pas nous aimer beaucoup, parce qu'on fait vraiment beaucoup de trucs. Mais expliquez-moi ce coup des toilettes, là. D'ailleurs, toilettes. C'est le mot magique de cette vidéo, voilà, sans se prendre la tête. Donc, petite chambre d'hôtel bien sympa. Après, 5 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles espagnoles peut-être. Mais en toute sincérité, moi je pense que c'est du 4 étoiles, voire du 3 étoiles. Non, peut-être du 4 étoiles, parce que c'est vrai que le service est plutôt très, 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 très bon à ce niveau-là.
mais c'est certainement pas du 5 étoiles français, parce que voilà, en France, si t'es un 5 étoiles, t'es le président, quoi, y a pas de problème pour ça. Et voilà, donc on va pas se prendre la tête. Hop, je sais me mettre. Mes yeux me brûlent. Donc on va s'arrêter là, c'est vraiment une petite vidéo. Vous me direz franchement si vous en voulez plus, des comme ça, c'est les vacances. On va sortir, on va faire plein de trucs bizarroïdes. Donc si vous voulez plus de vidéos, bah vous me dites, ce sera fait avec grand plaisir. Le soleil me tape dans les yeux. Ils avaient annoncé des nuages et 26 degrés. Alors là, on doit être au moins à 30. Mais c'est pas grave, on se prend pas la tête. Je vous ferai découvrir l'hôtel de fond en comble avec de la musique. Parce que forcément, à l'hôtel, s'ils voient un con dire « Eh bien, bonjour, vous voyez le... » Voilà, ils vont se dire « Putain, c'est un cinglé, ce mec. » Et faut éviter. Donc ce sera de la musique en fond avec... avec les images de l'hôtel, etc., des vidéos, parce que des images c'est bien, mais de la vidéo c'est mieux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!